deux matchs, deux victoires pour cette équipe du Brésil. Est-ce qu'on peut parler d'une préparation parfaite avant la Copa América? Oui, c'était parfait parce qu'on a joué, je crois, 7 matchs et 7 victoires. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est continuer, s'améliorer. Et voilà, c'est ça qu'on a trouvé. Et comment tu te sens, toi, dans cette équipe brésilienne aujourd'hui? C'est une expérience terrible pour moi. C'est la première fois que j'ai passé des jours avec l'équipe. Donc les entraînements, les repas, tout ça, c'était magnifique. Et j'espère revenir ici. D'accord. Et comment tu vois la fin de saison de Monaco aujourd'hui avec cette Ligue des Champions? Est-ce que tu penses que Monaco peut jouer sur tous les tableaux, championnat et Ligue des Champions? Oui, on est sur notre meilleur moment dans la saison. Mm-hmm. Et maintenant, c'est le moment décisif, c'est le moment qui la fin du championnat, la fin des Champions League aussi. Et voilà, on a la possibilité de trouver et de chercher quelque chose en Champions League. Mm-hmm. On sait que c'est plus difficile, mais on va chercher. Et en championnat, on a un match en état comme Montpellier. Mm-hmm. Et voilà, on a tout pour rester dans les trois premières places. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci.